Bonjour à tous, coucou, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous actuellement. Je voulais déjà avant tout vous remercier, voilà, sincèrement, du fond du cœur, pour votre soutien, pour toutes les personnes qui me suivent. Déjà maintenant, ça fait un petit bout de temps ensemble, j'ai envie de dire. L'histoire est continue, bien sûr, est en train de se construire. Et voilà, je trouve qu'on fait tous ensemble un magnifique parcours et ça se passe de toute façon dans l'échange, dans le partage. Vraiment, c'est très important pour moi. J'essaye d'être le plus authentique avec vous aussi et quelque part, vous suivez aussi mon évolution personnelle. Donc, c'est génial, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'on est un peu potes, hein, on peut le dire. Et donc, en tout cas, de mon côté, sachez que je ne prends pas du tout ça à la légère, que mes intentions par rapport à ma chaîne notamment et par rapport à tout ce que je fais, elles sont très claires dans mon esprit. C'est simplement de partager, voilà, partager au final du vécu, de l'expérience. C'est pas des choses que je vais sortir d'un bouquin, c'est vraiment du concret, du vécu en fait. Et de toute façon, vous le savez bien, tout marche comme ça, hein. Sinon, c'est une histoire qu'on vous raconte, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, mais ça change pas vraiment les choses, hein. Par contre, quand vous les vivez, ces choses-là, que vous les ressentez dans votre propre expérience, dans votre intériorité, là, ça fait du sens et là, ça prend forme, là, c'est une réalité. Voilà. Donc, bon, je sais pas du tout pourquoi je parlais de ça, mais j'ai toujours des petits trucs comme ça qui viennent et j'ai toujours cette touche de, on va dire, allez, de spiritualité pour faire large qui se manifeste. Voilà. Et c'est vraiment important pour moi aussi. Et ça me nourrit. Et je pense que vous aussi. Donc, allez-y, servez-vous. Il y en a pour tout le monde. Le plat, on peut se servir dans le plat, c'est pour tout le monde. Ok. Alors, ceci étant dit, à quoi on va s'intéresser aujourd'hui? Eh bien, aux énergies de mars 2020. Ça va être un tirage à choix. Je trouve cette méthode vraiment plus personnel, plus adapté aussi, par exemple, que les tirages astrologiques ou alors avec le taroscope, comme je le faisais aussi. Comme j'ai dit, je ne dis pas que je le ferai plus, mais voilà, actuellement, ça fait pas de sens pour moi de vous proposer ça. Et, ou plutôt, faut que je me. C'est pas que ça fait pas du sens, c'est que ça fait plus de sens comme ça. Voilà. Ça me correspond plus aussi. Donc, l'intention que j'ai mise, c'est vraiment de vous faire un tirage personnel à vous, comme si on était en consultation privée. Je vais y mettre la même intensité, la même énergie. Ça va être la même qualité de réception pour moi au niveau canalisation des messages. Et je vais vous livrer tout ça dans la transparence et dans l'authenticité. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. J'ai pris plusieurs jeux, plusieurs tarots, plusieurs oracles. J'ai mélangé un peu tout ça. Donc on a trois tas ici. Donc, je vais vous demander de choisir une carte ou un jeu. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse faire le choix. Donc, on a le 1, le 2, le 3. Prenez le temps. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Le choix, sachez que le choix que vous ferez, ça sera le bon dans tous les cas. Donc, vous prenez pas la tête. Vous pouvez utiliser un pendule, notamment pour certains. Et puis, des fois, dans mes vidéos, je propose des méthodes pour vous connecter au ressenti, à l'intuition spontanée et vous aider à choisir. Mais là, je préfère, voilà, voir comment vous avez évolué avec ça et vous vous faites confiance. Voilà. OK? Si éventuellement vous êtes attiré par plusieurs tas, vous pouvez aussi. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je vous invite à regarder en bas de la vidéo pour voir le timing correspondant à votre choix. Et je précise aussi, pour ceux qui le souhaitent vraiment, que mon site a changé dernièrement dans ce que je propose, que ce soit des guidances, recevoir des messages voilà, de l'univers ou tout simplement un accompagnement sur votre chemin de lumière ou encore des initiations aux arts divinatoires. Bon, voilà, tout un tas de choses, mais je vous laisse le soin et surtout la liberté de vous renseigner si vous le souhaitez. Voilà, ma porte est grande ouverte. Donc, 1, 2, 3, et c'est parti. Je vais commencer par le tas numéro 1. Alors, coucou pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, le tas numéro 1. Donc, présentation des jeux, parce qu'on me le demande, donc là j'y pense. Donc, on a des tarots et des cartes oracles. Donc avec le tarot, c'est le Wheel of the Year Tarot. Voilà, très beau jeu, très coloré, j'aime beaucoup. Et en oracle, on a
le ABC du jeu de votre destin. Voilà. Alors déjà, ce que je peux vous dire avec ces deux jeux, parce que voilà, j'ai été guidé, hein, chacun a des jeux différents, non pas parce que je me suis amusé, mais parce que j'ai été guidé vers ces jeux par rapport au tas pour vous. Donc il y a une résonance particulière, peut-être dans les images aussi, donc faites-vous confiance par rapport à ce que vous y verrez, ce que vous ressentirez. Mais ce que je ressens déjà vraiment avec ces deux jeux, parce qu'on a le jeu de votre destin, on parle quand même de destinée ici, voilà. Et avec le Wheel of the Year, ça me fait penser en fait à la roue de fortune dans le tarot, justement, la carte numéro 10, l'arcane majeur numéro 10, qui parle de destin, de cycle aussi. Voilà, donc on va voir la teneur des messages, mais c'était important de le noter que ces deux-là vont bien ensemble. J'ai l'impression qu'on va vous parler de choses qui vous sont destinées. Donc, bah, écoutez, on va voir ça. Alors, la première ligne en haut va correspondre à l'atmosphère générale, le message général pour vous pour mars 2020. Donc, vous pouvez mettre à chaque fois sur pause hein, pour voir les images, je les laisse un petit peu. Donc, on a l'empereur avec les cartes de tarot. On a un autre 4, le 4 de coupe. Ok. Vous avez aussi la trahison et le féminin. J'allais dire le féminin sacré, je ne sais pas pourquoi, mais le féminin. Enfin, ok, j'ai plein de messages, si, ça commence déjà à fuser. Ok, alors on va prendre le temps de bien canaliser ces énergies. Donc commençons par le commencement. On a déjà l'empereur ici. L'empereur va nous parler d'une certaine confiance, hein, d'une certaine maîtrise aussi sur son environnement, sur le quotidien, sur le concret. L'empereur, c'est celui qui est vraiment lié à la matière. C'est intéressant parce qu'ici, on a le féminin et ici, de l'autre côté, on a le masculin. Donc déjà, ces deux notions sont très importantes, je ressens pour vous. Est-ce que ça parle de vous féminin face à un masculin ou inversement? Dans le concret, justement, dans la matière, c'est possible. On verra après avec le tirage. Mais avant tout, voilà, j'ai un message, je dirais, personnel au niveau de vous, comment vous allez vivre les choses. Je dirais qu'il y a un regain d'énergie, un regain de confiance. L'empereur, c'est celui qui met en place des projets, celui qui travaille, celui voilà, qui est dans l'action. C'est l'énergie yang, c'est vraiment l'action. D'accord? Et c'est intéressant parce que juste à côté, on a un autre 4. Là, on a une arcane majeure ici, on a un autre 4 qui est le 4 de coupe. Et c'est l'inverse en fait. Si vous voulez, ici, il y avait peut-être une amertume, une inertie en tout cas, une inertie, l'envie de peut-être rester tranquille ou d'être au calme, un certain ennui peut-être ou une flemme. Voilà, je ressens toutes ces choses-là. Et pour le coup, là, on a vraiment une énergie totalement différente. Donc il y a un changement pour vous à ce niveau-là. Hein? Pour moi, on passe. Voilà, vous allez être incarné par l'empereur. Hein? C'est la première carte qui est tombée du jeu. Et celle-ci vient en tant que précision. Mais ça vous demande quelque part, désolé de vous le dire comme ça, hein, c'est comme ça que j'entends, on vous dit, il faut vous bouger, voilà, hein, il faut vous bouger, voilà. Il y a plein de choses à mettre en place, il y a un travail à faire sur soi aussi, sur ses émotions, c'est ce que je ressens, c'est ce qui va vous être demandé, et c'est quelque part ce que vous allez travailler, consciemment ou inconsciemment. On a ce sentiment de trahison là au milieu qui me gêne un petit peu, donc bah, je pense que vous aussi, hein, il y a quand même peut-être quelque chose au travers de la gorge, donc... Ok. Alors attendez, est-ce que je canalise un message? Je pense qu'aujourd'hui, quelque part, vous cherchez autre chose. Émotionnellement, on est sur le 4 de coupe, hein, donc qui est lié au coupe à l'émotionnel. Quelque part, il y a une certaine passivité ou une certaine monotonie, une certaine habitude, peut-être justement, je repense au jeu de la Wheel of the Year, hein, c'est la roue, donc c'est aussi peut-être des schémas répétitifs hein, dans lesquels vous voulez vous débarrasser, ou alors une routine dans laquelle vous êtes installé. C'est possible, c'est possible. Mais il y a un véritable travail en fait pour vous de rééquilibrage qui est en train de se faire entre le masculin et le féminin. C'est très clair. Et dans la matière, il faut qu'on en parle aussi. Dans la matière, peut-être que ça fait référence
à un homme. Et comme là, dans votre jeu, dès le début, sur les énergies principales, on a une carte qui peut représenter l'homme et on a la carte qui représente la femme, ça veut dire que vous soyez homme ou femme, il y a une personne de l'autre sexe qui va être à la fois présente et qui va jouer un rôle important pour vous ce mois de mars. D'accord? J'espère que les autres cartes nous en diront plus parce que pour moi, le message s'oriente beaucoup au niveau émotionnel, hein, relationnel aussi. Ça peut éventuellement parler du travail. L'empereur peut parler aussi du travail, hein. Peut-être que justement vous désirez plus, hein. Il y a le sentiment de ne pas être comblé, je dirais. Et la trahison, c'est un souvenir, hein. On me dit c'est un souvenir là. Je ne sais pas ce que représente honnêtement la trahison pour vous. Je ne peux pas vous le dire parce que vous êtes plein de personnes, mais le mot doit résonner. Après, peut-être que vous vivez cette trahison différemment. Ouais, c'est tout ce que malheureusement, c'est tout ce que je peux vous dire. On a quand même des images ici symboliques, hein. On a le oublier les gens qui vous ont fait du mal. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec le passé aussi, hein. On est vraiment sur cette notion de passé, des personnes qui ont peut-être porté un masque, qui n'ont pas joué franc jeu, ou peut-être c'était vous. Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur l'autre, hein. C'est pas pour rejeter la faute sur l'autre, mais je le ressens comme ça. Ouais. Ouais, à ce stade, c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus orienté sur l'émotionnel et le sentimental, a priori pour ce mois de mars, que sur le professionnel. D'accord? Ça ne veut pas dire que. Là, c'est une guidance générale, hein, donc je dis en priorité ce que je ressens, mais ça peut s'appliquer aussi au professionnel. Dans tous les cas, il faut comprendre qu'il y a un rééquilibrage pour vous, que ça demande une guérison aussi. Là, j'entends ce mot. Il y a besoin d'une guérison, besoin de changer de cycle, de changer d'état. Voilà, hein, une transformation qui doit s'opérer à ce niveau-là. Et on vous dit que c'est par le travail, quelque part. Par le travail. Et ce rééquilibrage entre les énergies yin et yang, je le sens vraiment très fortement, hein. On a le signe ici, hein, quelque part de la dualité et de la complémentarité. Donc c'est intéressant. Alors, on va voir maintenant la ligne en dessous qui correspond au message des guides pour vous personnellement, au conseil des guides par rapport à ce que vous allez traverser comme énergie pour ce mois de mars. Alors, on a le 5 de bâton, le 2 de coupe. Ok, I see, je vois. Ok. 5 de bâton, 2 de coupe, d'accord. Et vous avez aussi la réussite, très bien. Et la solitude. Donc la réussite, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. D'accord, donc petite leçon spirituelle. Et la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. D'accord, bon. Là, le message, pour moi, il est aussi très clair. Donc là, ça vient confirmer vraiment que on retrouve cette dualité, en fait. Vous voyez, on la retrouve déjà tout de suite avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, bah, on voit, hein, une compétition, une dualité, un bras de fer. Peut-être que c'est avec une personne à l'extérieur, quelle qu'elle soit, peut-être dans le couple, peut-être autrement, mais il y a une compétition, une dualité, une bataille, une rivalité, peut-être. Ça peut être dans le professionnel aussi. Voilà, on sent en tout cas qu'il y a une dépense d'énergie de votre part. Vous y mettez beaucoup d'énergie quelque part dans ce lien avec, cette personne. Je pense que c'est une personne plutôt. Beaucoup d'énergie, hein. Voilà. Mais on dirait qu'il y a une bataille. C'est une bataille, hein. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Vous voyez, l'issue ici de cette carte, hein, on le voit, c'est il y a un gagnant et il y a un perdant. Bon. Mais à côté, on a le 2 de coupe. Vous voyez, on retrouve encore le 2, hein, on le retrouve bah, déjà avec le 2 de coupe. Et ici, on retrouve la dualité. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, et ces messages, ils peuvent vraiment, bon, comme je vous le dis, hein, ça s'adresse sûrement à une personne en particulier, vous savez vraiment de qui il s'agit, c'est obligé. ou alors, ça peut être aussi une compétition intérieure, une sorte de conflit intérieur, et qui vous met dans une inertie bah, parce que voilà, vous n'arrivez peut-être pas trop à trouver votre voie ou à trancher, et au final, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée pour vous, mais pas vraiment pour concrétiser les choses, alors que là, l'empereur, il va venir concrétiser les choses pour vous. Hein. N'oubliez pas, c'est la première carte que vous avez tirée.
Donc pour moi, ce conflit, quelque part, il va être résolu. L'empereur, c'est lui, justement, il n'y a pas de conflit. Ou alors, en tout cas, il mène les batailles et il gagne. Hein. On a la réussite, vous voyez? C'est important. Et ce que j'entends, moi aussi, c'est par rapport à cette dualité qui s'exprime, donc à l'extérieur ou à l'intérieur, pourquoi la créer alors qu'elle peut être dans l'union, en fait, hein? Être gagnant, on me dit, c'est pas de gagner la bataille, on est gagnant en partageant en fait avec l'autre ou avec les autres. Donc il y a la possibilité pour moi d'une sorte de paix, de trouver une paix, quel que soit le moyen, que ce soit en discutant, en partageant vos ressentis avec les personnes concernées. On vous invite vraiment en fait à exprimer vos émotions, mais pas en faisant des reproches ou dans une certaine agressivité ou avec des tensions, vraiment, vous voyez, c'est deux atmosphères totalement différentes. On est dans la douceur ici. Vraiment dans la douceur et dans le partage. Donc ça peut se passer comme ça. Vous voyez, la réussite, c'est quelque part, on vous dit, la clé de la réussite, c'est de passer par là. Et peut-être que la solitude. On a la solitude en dessous du féminin, donc le fait de vous retrouver là un petit peu aussi, de prendre du temps juste pour vous, pour comprendre en fait, pour comprendre ces liens émotionnels qui vous enferment quelque part, qui vous enferment alors que la porte derrière, elle est ouverte. La porte, je vois, je sais pas, je vois un peu le même décor, je dirais, j'ai envie de dire. je me comprends. Alors, attendez. La porte pour vous, elle est grande ouverte, d'accord? Donc, vous pouvez aller vers votre réussite, vers ce que vous voulez voir se concrétiser. Vous voyez, la matérialité dans le concret, dans la matière, avec l'empereur. C'est possible. Hein? Vous avez ce pouvoir de manifester ça dans votre vie. Il y a juste besoin de vous libérer de ces liens, parce que la porte, en fait, quelque part de la vie, si vous voulez, elle est ouverte pour vous. Il n'y a pas de blocage extérieur. Hein? Ce conflit, enfin, je sens avec le 5 de bâton qu'il y a une énergie de. Comme je vous ai dit, de compétition, et vous avez besoin de vous défendre. Vous sentez que vous avez besoin de vous défendre. Alors, c'est peut-être dans la perception juste qu'il faut changer ça. Comment vous dire? Alors, on va demander de l'aide au guide, s'il vous plaît. Tout simplement, ça peut être dans le partage d'idées, dans le partage de ressentis. Plutôt que dans les accusations, que dans forcément vouloir avoir raison. Voilà aussi ce que j'entends. Il y a cette phrase importante, le fait d'avoir raison. On s'en fiche de qui a raison, qui a tort. Juste, ben, faisons la paix, partageons nos voilà, enfin, partageons quoi, tout simplement. Je vais pas vous faire un dessin. Alors, je sais que c'est pas forcément facile. Je connais pas votre situation personnelle en plus. Peut-être que voilà, il y a cette trahison là qui est là, qui c'est difficile quoi, vraiment à dépasser. Je comprends, hein. Mais voilà, je vous transmets les messages que j'ai, tout simplement. C'est vrai que la solitude, malgré tout, ça peut vous faire du bien. Hein, la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. D'accord? Mais vous voyez, sur vous-même, non pas sur la relation, ou sur les problèmes, ou sur l'autre, qu'est-ce que le comportement de l'autre, non, sur vous-même. Voilà. Parce que, ouais, j'entends que pour vous, il y a peut-être des choses en lien avec des résidus karmiques, c'est ce que j'entends, des résidus karmiques par rapport justement aux relations que vous entretenez avec certaines personnes, ou alors c'est avec vous-même, hein, comme je vous l'ai dit, c'est possible, mais pour moi c'est avec quelqu'un d'autre. Voilà, vous traversez ça aussi, bah, parce que pour moi c'est un petit peu lié au divin, c'est lié au comment dire, au, vous voyez, ça me fait penser là au péché originel, si vous voulez, mais donc ça veut dire symboliquement à des peut-être. Des, comment vous dire ça d'une manière soft, des allez, des erreurs qui ont été commises dans le passé et notamment des vies antérieures. Voilà. Donc peut-être que justement, hein, c'est aussi en lien avec vous-même parce que quelque part, il y avait certaines fausses croyances, certaines. Je sais pas, enfin tout un tas de choses. Je peux pas là, c'est trop compliqué d'approfondir ça avec vous. Voilà, pas en consulte, enfin pas en mince, pas en vidéo publique comme ça. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous parler et peut-être vous donnera des pistes éventuellement. Et enfin, pour finir, j'ai demandé ici en dernière ligne les surprises qui arrivent pour vous. Quels sont les événements concrets, les choses importantes qui arrivent concrètement ce mois de mars. Donc
atmosphère générale, conseil. Et alors, le pape, waouh, le pape, le 8 de bâton. Pape et 8 de bâton, c'est génial. Je suis très content pour vous. Et l'homme de cœur et la violence. Waouh. On a des énergies puissantes et là, on a quand même pour moi des confirmations. Hein. Désolé, je vais me faire confiance sur ces ressentis, mais enfin, d'ailleurs, je n'ai pas à m'excuser. Mais, c'est vrai que j'essaie à chaque fois de parler à tout le monde, mais en fait, depuis le début, j'ai quand même le message dès là que c'est quand même sur le relationnel, pas forcément le couple ou le sentimental, mais quand même le relationnel. Et là, c'est trop, enfin, c'est confirmé, quoi. Écoutez, mais c'est des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on a le pape et le 8 de bâton. Alors, pourquoi des bonnes nouvelles? Bah déjà, vous voyez, hein, l'image, elle parle d'elle-même. C'est intéressant sur cette carte, le tarot vous est tombé en plus, parce que le 8 de bâton, souvent on voit des bâtons qui sont en train de venir du ciel comme ça, là. Donc, symboliquement, c'est voilà, il y a une énergie qui descend vite, rapidement. On est sur une énergie rapide aussi en termes de temporalité, important que vous le sachiez, qui arrive dans le concret, dans la matière, voilà, qui se réalise concrètement, d'accord ? Donc ça peut être des messages, des signes, des synchronicités, vous recevez des choses, il y a des choses qui arrivent en fait. Et là, c'est avec le pape, eh bien tout simplement, je ressens la notion de pardon. Là, j'entends le pardon. Il y a une paix, hein. C'est pour ça qu'on retrouve peut-être l'empereur, il y a une sorte de paix, il y a une sorte de calme, une sorte de calme, de sérénité retrouvée. On est sur deux personnages qui représentent la stabilité, qui sont assis sur un trône tous les deux. Et voyez là, voilà, il y a ça qui me vient, regardez. On est sur un trône ici un peu de pierre, on est sur quelque chose de brut. Et ici, on est sur un trône vraiment travaillé en lien avec la spiritualité. Donc, il y a une évolution spirituelle aussi pour vous, grâce à ce que vous avez traversé quelque part. Donc, il y a vraiment des nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles d'une personne, sachez que les choses, elles avancent. Il y a un conflit qui est, pour moi, qui s'arrête en fait. Hein? Et ça peut être intérieur en lien avec vous, votre spiritualité, vos croyances en fait, votre vision de la vie, de ce qu'est l'univers, de le monde angélique, tout ça. Peut-être qu'il y avait une dualité à ce niveau-là pour vous. Et là, ici, on était sur la réconciliation avec vous-même, la partie yin, la partie yang. Faut pas oublier ces notions qu'on avait retrouvées, le féminin, le masculin. Et j'ai dit sacré tout à l'heure. On a quand même l'homme de cœur, hein, l'homme de cœur qui est ressorti, donc bon, si on traduit littéralement, un pardon, un message d'un homme, voilà, ou pour un homme, ou par un homme, bon, c'est, moi je vois quelqu'un qui, justement, vous voyez, on a l'empereur ici, ah d'accord, je comprends mieux, voilà, c'est en voyant toutes les cartes, ici en fait, dès le début, ben, j'aurais peut-être dû dire que l'empereur, ça peut aussi représenter un homme, justement, qui n'est pas vous, vous êtes une femme, d'accord, qui a peut-être été blessée, qui a peut-être été trahie, ou qui est dans une certaine monotonie, une certaine, voilà, dans un cycle qui n'est pas bon, qui sent que vous sentez que c'est pas bon pour vous, et c'est lié à un homme, on retrouve peut-être cet homme ici. Donc les choses avancent, si c'est le cas, si vraiment ça résonne pour vous, les choses avancent, cette personne va être beaucoup plus stable, va être beaucoup plus sûre d'elle, avec une vision claire aussi, hein, une vision claire sur l'avenir. On a, vous voyez, on retrouve la couronne ici, donc ça peut totalement représenter vous ou quelqu'un d'autre en fait. Cet homme de cœur et cet empereur, c'est vous ou c'est en lien avec une autre personne. Et ça peut être les deux en fait, les messages, ils s'appliquent à vous deux, quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc on retrouve quand même la carte de la violence, hein, qui pour moi vient faire écho avec une certaine trahison, donc... dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Vous voyez, des ponts, pas des murs. Ici, là, c'est un mur. Ici, c'est un pont, c'est une union. Donc, il y a peut-être une blessure qui vous a atteint encore en plein cœur, et il y aura peut-être un pardon par rapport à ça. Ce n'est pas forcément que vous retrouvez la personne. C'est peut-être que grâce à certains signes de l'univers, vous, vous avancez, vous évoluez encore une fois spirituellement. Parce que, ben voilà, tout simplement, vous vous reconnectez à votre cœur, à vous, à vos vraies valeurs aussi. Avec le 5 de bâton ici, il s'agit bien de ça, c'est de défendre vos convictions, vos valeurs, votre point de vue, hein. Mais pas forcément le défendre, en fait, c'est le partager, hein. Vous n'avez pas à vous battre contre les autres. Par contre, soyez confiant dans ce que vous ressentez être juste, et n'hésitez pas à vous battre pour ça, quelque part.
Voilà, bon, je dis des contradictions, mais ce n'est pas des contradictions. Je pense que vous comprenez le sens des mots que je vous transmets. Voilà, bah écoutez, waouh, c'était un tirage assez riche, assez intense aussi pour moi. J'espère vraiment que ça vous aidera, c'est le but. Rien n'est figé, ne l'oubliez pas, donc tout peut évoluer, même ça. Même si c'est vrai que ça vient apparemment, il y a quand même des choses, on en revient avec la carte du, enfin, le jeu, hein, la carte du destin ici. Je dirais que vous n'avez rien à faire de particulier, vous voyez, en fait. Peut-être prendre du temps pour vous, croire en la réussite, pardonner, c'est vraiment le grand mot pour vous, là, vous concentrer sur un pardon que vous devez vous accorder à vous et que vous devez accorder à certaines personnes qui vous ont fait du mal, quel que soit dans le passé, mais je ne sais pas qui et comment. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, surtout, vraiment, ça m'aide beaucoup. Un petit commentaire. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut, les amis. Alors, heureux pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, je vous présente les jeux par lesquels j'ai été guidé pour vous. Ça a peut-être une résonance particulière, donc on verra. Il y a avec le tarot le Osho-zen, que j'aime particulièrement, ça fait partie de mes préférés. Voilà. Et l'oracle de la déesse. Donc on a un tarot à gauche et à droite un oracle. Voilà. Donc vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Je vais vraiment utiliser maintenant tous mes jeux en fait. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Mais j'ai envie de les partager. Puis moi aussi, ça m'amuse. Donc allez, c'est parfait. Alors. On va vraiment ici parler d'énergie, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, et puis voilà, justement, on va se laisser guider et porter. Alors, la première ligne en haut va représenter l'atmosphère générale pour vous pour ce mois de mars 2020. Donc, il y a le 8 de coupe, le lâcher prise, et le 9 d'épée, ok, donc la douleur dans ce jeu-là. Vous pouvez mettre sur pause hein, pour bien voir les cartes aussi, pour voir ce que ça vous évoque. Vous avez aussi la dame des animaux, relations et abondance avec Lakshmi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, on commence déjà par le lâcher prise. Donc, je sais que c'est un mot qu'on entend beaucoup, donc ça doit vous parler, vous avez déjà dû l'entendre certainement, vous savez que c'est important et que vous devriez le faire, mais bon, vous ne savez pas comment faire. Eh bien écoutez, peut-être que justement, on va le découvrir ensemble là, parce que ça peut être utile pour tout le monde, et puis tout le monde passe par ces étapes, hein. On a des fois du mal en effet à lâcher prise, on est focalisé sur quelque chose. Là, on a déjà peut-être la clé, vous voyez, je suis en train de... au moment où je vous le dis, ça me vient, donc on va y venir. Alors. Lâcher prise par rapport à la douleur. Hein. La douleur avec ce 9 d'épée, on est déjà dans les épées, donc dans le domaine du mental. C'est quand, pour moi, par expérience, on fait des projections qui sont vraiment pessimistes. On est vraiment dans une énergie plutôt de doute, en fait, de doute, d'angoisse, d'anxiété, ce qui crée une certaine douleur, mais psychique, en fait. Hein. On le voit à ce personnage, une sorte de douleur psychique. Hein. On se sent vraiment étriqué, enfermé. Et ça peut même avoir, oui, certaines des fois conséquences ou symptômes physiques. Hein. Donc c'est important que vous preniez soin de vous déjà dans un premier temps, très important. Que vous vous accordiez des moments aussi où ouais, vous lâchez prise, voilà, totalement. Des moments de jeu, des moments de, je sais pas moi. Aller faire un ciné ou quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment nécessaire pour vous. Et on le verra ici avec les relations, notamment. Hein, avec les relations, donc vous entourez, regardez comment elle est entourée, cette personne. Elle est dans le partage aussi. Peut-être qu'on vous encourage à vous reconnecter à la mère nature aussi, ou aux animaux, tout simplement. Tout simplement, oui, c'est ça en fait. Les animaux, peut-être que vous avez des animaux de compagnie, ou alors que vous êtes lié à la cause animale quelque part. Donc là, c'est important. Mais sinon, dans un sens plus symbolique, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est d'être entouré. Parce que vous n'êtes pas seul en fait. Mais tout ça, c'est dans votre esprit. On est sur les épées, en fait, comme je vous ai dit, les épées, la psyché. Donc, c'est-à-dire que la plupart des peurs que vous avez au jour d'aujourd'hui, elles ont été créées par vous-même, ou plutôt
pour être plus précis, par le mental, par l'ego, si vous voulez, d'accord? Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité, hein? Donc avec ce message, on vous dit que ben justement, vous allez réussir à enfin vous libérer de peut-être de cet état d'esprit que vous pouviez ressentir. Le lâcher-prise, ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de voyage pour vous, à tous les sens du terme, ou en tout cas surtout symbolique, un voyage vers vous dans votre intériorité, pour amener des prises de conscience, c'est ce que j'entends. En fait, il y aura des prises de conscience et une sorte de guérison pour vous, dans le sens où, plutôt que de travailler sur les souffrances ou les peurs ou les conditionnements que peut-être qu'il y a, eh bien, vous allez laisser tomber tout ça, en fait. Donc, c'est encore mieux quelque part. C'est encore mieux en passant par le lâcher-prise, plutôt que de travailler, par exemple, sur le karmique ou de travailler directement, tiens, je dois régler le problème avec mon père ou avec ma mère ou tout ça, dans l'enfance ou alors la relation. Bon, on peut faire ça, bien sûr, bien sûr. Mais un autre moyen de simple de se libérer, c'était dans l'instant présent, dans le lâcher-prise. Voilà. Là, tout de suite, maintenant, quand vous regardez cette vidéo, tout de suite, maintenant, est-ce que tout va bien? C'est ça la véritable question. Là, quand vous êtes dans l'instant présent, est-ce que tout va bien? Bah, je pense que là, vous respirez encore, j'espère, hein, déjà. Et tout va bien, enfin, bon, voilà. Alors, je veux offenser personne, bien sûr. Peut-être que vous vivez des choses très difficiles et tout ça, mais vous voyez, c'est une façon de vous exprimer les choses, hein, d'accord? Je remets pas du tout en question ce que vous vivez, parce que je le sens que c'est vraiment difficile pour vous. Mais mon but, c'est pas de vous dire, ah ouais, franchement, c'est trop dur, tout ça. Non, c'est d'essayer de vous faire comprendre que vous pouvez passer au-dessus de ça. Pour vous, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, il y a quelque chose de plus, et ça, vous le ressentez vraiment vibrer à l'intérieur de vous. Vous sentez que la situation dans laquelle vous êtes, elle ne vous convient pas, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, ou quel domaine, c'est pas important, c'est quelque chose qui est en lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous n'êtes pas comblé quelque part. C'est ce qu'on me dit, hein. Et ça, peut-être que là, vous allez faire un voyage dans le sens symbolique, peut-être donc déjà au niveau spirituel et au niveau, comment dire, vous savez, voyage astral, tout ça. Mais là, c'est juste pour une infime partie que je dis ça. Sinon, pour la plus grande partie, je dirais, c'est une quête, en fait, une quête intérieure. Voilà, vous allez être poussé vers une quête intérieure, et peut-être que vous allez aussi vous débarrasser, vous séparer de certaines personnes, d'un job ou de... Voilà, ça vous demande peut-être de quitter quelque chose pour accéder à ce que vous voulez vraiment, en fait, à ce que vous désirez vraiment. Voilà, l'abondance, on a la carte de l'abondance, donc on a quand même des signes très positifs, on a l'abondance, les relations, donc... Si on lit les deux, tout simplement, vous êtes vraiment entouré, vous êtes soutenu. Voilà, il y a des personnes qui arrivent à vous, en fait, tout simplement. Hein. Peut-être des nouvelles personnes. En tout cas, il y a un partage, un véritable flux à ce niveau-là, une effervescence au niveau relationnel. Ça bouge, en fait, pour vous au niveau relationnel, surtout, j'ai l'impression. Hein. Et relationnel, je précise, ce n'est pas que sentimental. D'accord. Alors, on va voir un petit peu plus ici les conseils justement. Alors, on a l'aventure qui est le valet de denier, la vacuité qui est une arcane majeure qui est le pape. Alors, c'est intéressant dans le jeu, ils l'ont représenté comme ça, on y viendra après, mais il n'y a pas de hasard. Et on a Freya, oui, sexualité. Et Durga limite. Ouh, beaucoup d'énergie. Wow. Beaucoup d'énergie avec ces déesses, avec tout ça là. C'est bien. C'est bien. Alors là, le message, il est clair. En fait, on vous dit, connectez-vous à vous-même. Le fait d'être dans le moment présent, dans le lâcher prise, peut-être faites un peu plus de méditation, ou enfin voilà, tout ce qui vous permet de lâcher prise en fait. Et un des meilleurs moyens, peut-être, on vous dit ici, c'est en vous connectant à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur qui sommeille en vous, qui veut découvrir, qui veut partir et vivre une nouvelle aventure. Vous voyez, je vous ai parlé d'une quête. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai entendu ce mot quête et là on a l'aventure. C'est ça, c'est un voyage pour vous. Mais un voyage, je ne sais pas, mais c'est un voyage magique en tout cas. C'est un voyage magique. Et on vous dit quoi avec la carte de la vacuité? Tout simplement,
faites confiance au divin. Oui, vous vous engagez dans l'inconnu, hein, vous ne savez pas où ça mène. Mais là, c'est intéressant, il n'y a aucune couleur, hein, c'est le flou. Mais ici, bon, on ne sait pas non plus ce que c'est, mais on voit que c'est, on a envie d'y aller, quoi, on est attiré. Hein. Donc faites-vous confiance, allez en fait vers ce que vous êtes attiré. C'est ça le message du lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi lâcher prise par rapport à peut-être certaines relations toxiques. Hmm, par rapport à des personnes, c'est peut-être quitter certaines personnes. Vous vous éloignez de, bah, des énergies négatives, en fait, tout simplement, pour aller vers le positif, vers aller vers un nouveau rayonnement, vers un espoir. On est sur l'aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. On vous encourage à vous lancer dans cette quête, en fait, tout simplement. C'est le message, il est clair. Lancez-vous dans votre quête, là. C'est le bon moment, parce que ça vous correspond. La vacuité, c'est aussi normalement l'équivalent du pape, donc ça vous correspond, ça correspond à ce, peut-être même ce que vous êtes venu expérimenter ici spirituellement. Hein. C'est pas de rester dans quelque chose dans lequel vous êtes, voilà, c'est pas d'être dans la douleur, c'est d'être dans l'aventure, dans l'ouverture aussi, l'ouverture vers l'inconnu. Et on vous dit d'avoir confiance, parce que... vous faites, moi je vois ça comme un saut dans le vide, vous voyez, un saut dans le vide, regardez. Et en fait, vraiment, soyez dans la confiance, voilà. On a la sexualité ici, on a les limites, moi je ressens surtout le pouvoir, l'énergie de la force, de la confiance. La sexualité est liée au plaisir en fait ici, hein. Pour aller vers votre épanouissement, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur parce que vous allez vraiment nourrir aussi votre partie féminine, le féminin sacré qu'il y a en chacun de nous. C'est les plaisirs, c'est se faire plaisir vraiment. Hein, écoutez ses ressentis. Hmm. Moi, je pense que vous avez beaucoup de choses à accomplir, en fait. Je ne parle pas de mission de vie ou tout ça, je n'ai pas envie de vous mettre dans ces énergies-là, mais vous avez tellement de ressources, en fait, de potentiel intérieur. Vous êtes un être quelque part sans limite. Hein, c'est important que vous le compreniez, un être sans limite, et vous pouvez vraiment accueillir la magie dans votre vie, vous pouvez créer aussi, vous pouvez créer de la magie dans votre vie. Il y a cette opportunité qui va vous être présentée en mars, de prendre peut-être un nouveau chemin, de bifurquer, de quitter un chemin et d'aller sur un autre, voilà. Prenez-le comme vous le ressentez, mais pour moi, il s'agit vraiment de ça. Posez vos limites aussi, hein, avec l'extérieur, dans les relations aussi, hein, comme je vous ai dit, peut-être se séparer, j'avais eu ça tout à l'heure, se séparer voilà, d'un environnement ou de certaines personnes. Et on va voir finalement la troisième ligne ici, qui correspond aux événements concrets qui vont arriver, aux choses importantes qui arrivent, aux surprises peut-être. Alors, waouh, la plénitude... On a, donc ça c'est l'as de denier, on a la schizophrénie, le 2 de psychologie, vous voyez, mais c'est intéressant que j'ai ces mots qui viennent dans ma tête. Donc le 2 d'épée, ok, on a aussi Pachamama, guérison, intégrité sacrée, et Inanna. Accueillir l'ombre, d'accord. Bon, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Qu'est-ce qui arrive concrètement pour vous? Eh bien, vous voyez, vous vous recentrez sur vous, la plénitude. Il y a ce sentiment de plénitude qui arrive quand vous êtes, quelque part, connecté à l'instant présent. Vous voyez, regardez cette image, c'est très important. Enfin, pour moi, c'est important. Là, tout l'extérieur, il est sombre, hein, il est, voilà, il est sombre. Et à l'intérieur, c'est fleuri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peu importe les circonstances de la vie extérieure, on ne peut pas tout contrôler. Ne cherchez pas à contrôler, justement, lâchez prise. Hein, lâchez prise. Vous-même, cultivez votre jardin intérieur. On retrouve encore toutes ces couleurs ici. Hein. Cultivez votre jardin intérieur. Mais quelque part, c'est vers ça que vous allez, en fait. Hein. Là, je vous le dis, mais bah, peut-être que c'est le fait de vous le dire qui va vous amener à ça. On ne sait pas. C'est fait bizarrement, l'avenir, des fois. Mais dans tous les cas... Je suis content pour vous parce que concrètement, là, on est sur l'as de denier, c'est ça. On est sur une opportunité très concrète. Hmm? Il y a une amélioration pour vous. Il y a une amélioration, ça peut être une proposition aussi, hein, l'as de denier. Hmm.
Donc il y a des avancées, mais moi je le vois surtout pour ne pas m'attarder trop sur la cartomancie pure, voilà les symboliques qu'on peut retrouver partout. Là je vous le fais en intuitif depuis tout à l'heure, donc je vais continuer, je trouve que c'est mieux. Mais bon, j'avais besoin de le mentionner juste. Voilà, sachez, je vous donne des mots-clés, l'as de denier, parce qu'on parle du concret ici. On parle d'opportunités matérielles ou financières ou physiques même, de concrétiser quelque chose, un cadeau aussi, ça peut être voilà une sorte de cadeau qui vous est offert, une opportunité donc hein, de la vie. Bon, mais c'est surtout cette plénitude, voilà, le sentiment d'être en paix, d'être bien à l'intérieur. Justement, on n'est plus dans cette dualité, dans ce conflit, dans ces peurs, dans ces doutes. On avait quand même retrouvé pas mal les énergies des épées, hein. Donc là, voilà, vous sortez d'un brouillard en fait. Vous sortez d'un brouillard. Alors, regardez, au moment où je dis ça, je suis intéressé par là. Voilà, on le retrouve ici, ce brouillard. Donc, regardez même comment c'est beau, les cartes, comment. Enfin, je suis toujours émerveillé. Regardez, on en a la brume et si on regarde, on a la brume qui se suit exactement là aussi. Ben, donc, c'est la continuité. Vous voyez, il y a une guérison qui se fait pour vous. Guérison, intégrité, sacré aussi. Hein, donc, il y a quelque chose au niveau de votre évolution spirituelle. Hein. Accueillir l'ombre. Donc, c'est en fait une guérison qui va s'effectuer pour vous par rapport à des blessures, par rapport à certains schémas. Voilà, vous allez pouvoir transcender en fait tout ça. Mais vous aviez besoin d'y être confronté, et je pense que c'est par là que vous êtes passé et que vous êtes peut-être encore en début de mois éventuellement dans ces énergies où, oui, c'est des énergies difficiles quand même, d'accord? Mais vous allez, dès lors que vous allez comprendre que c'est quelque part votre création, et qu'avec un certain autre point de vue, une certaine autre prise de conscience, eh bien, vous pourriez voir les choses différemment, vous allez créer cette libération, en fait. Vraiment cette libération. Hein? Mais le message, vraiment, c'est vrai que j'ai vraiment envie de vous transmettre ici, c'est très important, c'est celui-ci, parce que ça me parle énormément. C'est la plénitude ou le bonheur, peut-être, on peut dire aussi, un synonyme éventuellement. Il ne dépend pas des conditions extérieures, si vous voulez, parce que les conditions extérieures, elles sont toujours changeantes, d'accord? Les événements de la vie, l'extérieur, c'est, voilà, on contrôle pas, vous contrôlez pas, ni vous ni moi, les planètes, on contrôle pas la société, on contrôle pas la décision du politique, on contrôle pas. Bon, voilà. Donc, si notre état intérieur dépend de l'extérieur, bah ça va toujours changer. Et est-ce que c'est bien pour nous? Bon, on pourrait débattre là-dessus, on pourrait faire un sujet de philo là-dessus éventuellement. Je me poserai la question moi-même, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, enfin, je sais pas, si on cherche le bonheur, sachez que le bonheur, eh bien, on vous dit là, c'est en vous retrouvant avec vous-même et en le cultivant à l'intérieur. Là, c'est on vous invite vraiment à cultiver ça en vous, quoi, à faire ce travail sur vous. Mais c'est bien, pour moi c'est vraiment une clarté qui est retrouvée, le brouillard dans votre esprit, c'est pour ça que c'est intérieur ici, le brouillard dans l'esprit, la dualité peut-être qui s'estompe, hein. Qui s'estompe, qui. Enfin, oui, c'est même pas à s'estomper, c'est vous passez à autre chose. Moi j'ai la notion pour vous de passer à autre chose. Voilà, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous. On avait quand même l'aventure, la quête, donc il y a un voyage qui vous attend, il ne faut pas que vous en ayez peur, ne pensez pas que ce vers quoi vous êtes attiré actuellement, que vous ressentez au plus profond, cette quête qui vous mène comme le Graal, si vous voulez, dites-vous que faut que vous fassiez confiance. Hein. Lâchez prise sur vos doutes, allez-y, aidez-vous. Enfin, vous avez toutes les ressources de toute façon en vous. Vous avez toutes les ressources, faites-vous confiance sur ce que vous ressentez, votre désir, en fait, sur votre désir, et n'hésitez pas à en parler. Ça sera vraiment, ça va vous aider à vous libérer de ces angoisses. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, vraiment, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup à partager, à commenter. Voilà, si ça peut aider le plus de gens possible, bah, c'est le but et c'est gratuit, donc bah, c'est le partage. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Heureux les amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, le choix numéro 3. Donc on a ici des tarots. Et ici, oracle, mais en fait, c'est un oracle tarot d'ailleurs, celui-là. Alors, donc c'est le tarot des anges gardiens et
le tarot psychique carte oracle. Voilà, si vous êtes intéressé pour vous procurer ces jeux. Si ça vous parle. Donc justement, je vais vous montrer les images à chaque fois, c'est pour ça que c'est un petit peu près. C'est pour que vous puissiez vous inspirer aussi et que vous laissiez marcher votre intuition. Désolé. Petit OK. Alors, oui, il faut que je vous dise quelque chose d'important avant de découvrir le message ensemble. On va se laisser porter, on va se laisser guider. Mais c'est vrai que pour vous, les cartes, elles sont sorties très 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 rapidement. Et en plus, voilà, on a le tarot psychique, on a le tarot des anges ici. C'est pour moi, c'est un signe que vos guides, là, ils ont un message urgent à vous faire passer. Et quelque part, le message que j'ai entendu, c'est le moment aussi pour vous. Alors, de quoi, je ne sais pas, on va le découvrir, mais c'est le moment. Voilà. Donc, on va commencer ici par la première ligne qui va représenter l'atmosphère générale pour ce mois de mars 2020. Alors, vous avez la carte numéro 12. Ah oui, et puis aussi sur ce jeu, c'est le seul jeu que j'ai en tarot où il y a des choses écrites. Donc, bon, on va les lire à chaque fois et moi, je vous dirai ce que je ressens en intuitif et ce qui me vient comme message en canalisation. Donc, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Ok? Alors, on souligne aussi quand même votre originalité et votre différence, j'ai envie de dire déjà. Et vous avez aussi le 5 de l'émotion. Alors, 5 de l'émotion, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ok. Alors, je vais venir, hein. Je vais découvrir tous les messages pour bien comprendre de quoi il s'agit. Vous avez le 3 de coupe, réjouissance et fête. Et le 6 de denier, prospérité matérielle et spirituelle. D'accord. Bon. Alors, la première carte ici, c'est l'équivalent du pendu, en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, pour vous, pour moi, il va y avoir une prise de conscience de votre côté. Il va y avoir un changement principalement à ce niveau-là. C'est-à-dire que peut-être que justement, vous allez tourner une page du passé, hein, parce qu'avec le 5 de l'émotion, on vous parle bien d'un processus de guérison qui est en train de se faire pour vous, pour retrouver une joie, une paix, une envie de partager aussi, de s'ouvrir avec les autres, c'est ce que je ressens. D'élargir quelque part votre perspective, j'ai le sentiment, c'est ce qu'on me dit ici. Prendre un point de vue autre, en fait, c'est ça, voilà. Prendre un point de vue autre, plus élevé par rapport à ce que vous traversez actuellement, parce que peut-être vous donc traversez une période difficile ou une personne, ou une, pardon, oui, par rapport à une personne, voilà, c'est ce qu'on veut me dire, ou alors donc par rapport à une personne du passé, hein. Je sens que voilà, il y a le besoin de pardonner, on nous le disait ici, pour vous libérer. Parce que c'est comme si pour moi, actuellement, vous étiez peut-être trop tourné sur des échecs que vous avez connus ou que vous avez vécu ou subi, d'accord? Voilà, quelque part des choses en fait qui vous freinent dans votre avancée. Parce que pour moi, jusqu'à présent, les avancées, elles étaient peut-être difficiles pour vous ou alors lentes, hein. Je ne sais pas si c'est en termes de temporalité ou en termes de difficulté à les vivre. Voilà, ça a pu être très rapide aussi, mais peut-être trop rapide aussi. Voilà. Ben vous prenez comment ça résonne. Ok. Alors. On vous invite ce mois-ci quand même à retourner le regard intérieur sur vous, hein, pour voir au niveau de vos émotions ce qui s'y passe. On a le 5 de l'émotion quand même ici. Il y a ce processus de guérison qui est en train de s'opérer pour que vous puissiez vraiment soit passer à autre chose. Peut-être qu'il est temps de vraiment tourner une page du passé, c'est possible, mais qu'il y avait encore ce lien. Moi, je sens un lien fort au passé, je ne sais pas à qui ou à quoi pour vous, mais c'est très fort. Et
c'est aussi difficile, c'est-à-dire que c'est pas juste vous vous remémorez des bons souvenirs et vous êtes lié à ça. Non, on est sur peut-être un peu des deux à la fois, une sorte de mi-figue mi-raisin. Vous voyez, on se souvient des bons moments, mais on se souvient aussi de certaines choses douloureuses. J'ai ce sentiment. Donc il y a un besoin de pardon, comme on vous dit, à vous-même pour certaines erreurs ou par rapport à d'autres personnes hein, qui voilà, ont agi aussi bah, peut-être par rapport à ce qu'elles connaissaient, par rapport à leur propre peur, par rapport à voilà, tout un tas de choses. Donc c'est important d'être dans cette compréhension aussi. Et le pardon, c'est absolument nécessaire pour pouvoir vraiment entamer quelque chose de nouveau et pour pouvoir être dans l'ouverture. C'est ce sentiment d'ouverture que je ressens pour vous, hein, qui vous est quelque part demandé. Ce temps d'introspection, quelque part, va être nécessaire pour vous parce que c'est comme si j'ai l'impression que vos pensées, en fait, elles sont, et vos émotions, peut-être, que vous ressentez, elles sont vraiment tournées sur du négatif, vous voyez, sur ou de la pardon, la dévalorisation de vous-même, manque d'estime, manque de confiance, je sais pas, il y a tout un tas de choses comme ça, et parce que ça prend trop de place, alors qu'en fait, on vous dit avec cette carte que voilà, n'ayez pas peur d'être vous-même, en fait, c'est ça que je ressens, n'ayez pas peur d'être vous-même. Vous êtes peut-être différente ou différent. C'est votre force en fait, c'est aussi votre force. Et là, il y a quand même une grande évolution pour vous spirituelle qui passe notamment par cette guérison. Hein? Donc, dans ce processus, avec le 6 de denier, on vous dit aussi que vous allez être aidé. Hein. Il y a une personne, possiblement, qui va jouer un rôle important aujourd'hui. Il y a une aide, en fait, il y a une aide qui va vous être fournie par rapport, quelque part, à ce processus de guérison. Hein. Et j'ai un sentiment aussi pour certains que vous avez l'impression d'être dans une impasse, peut-être. Peut-être dans une certaine impasse. Et là, pour moi, il y a la solution. Et c'est possiblement apporté par l'extérieur, par une personne extérieure. Vous voyez, je sais pas, vous aviez l'impression que ça rame au niveau professionnel, et là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous est proposé, ou alors on vous propose de vous donner un coup de main. Vous voyez, ça peut être ça qui est représenté avec le 6 de denier. Et puis oui, d'accord, ok, je suis en train de comprendre là. On a aussi le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le partage, c'est d'être avec les autres, c'est d'être avec des personnes justement qui nourrissent nos coupes et non pas liées aux déceptions, hein, ou s'entourer des personnes avec qui voilà, on ressasse des choses. Le 5 de l'émotion aussi, c'est ce que je ressens, c'est que vous ressassez, voilà, je sais pas quoi, mais ressasser, c'est le mot que j'entends. Donc en lien avec le passé, forcément, on ressasse, donc c'est lié au passé. Mais il y a un changement en fait, pour vous, il y a un changement dans votre conscience, dans votre vision de la vie, ou de la situation que vous traversez. Et c'est pour ça que pour moi, pouf, ça va être un déclic. Il y aura à un moment donné un basculement, c'est ça, qui va se faire pour vous, dans votre conscience. Donc des solutions aussi. Et il y a une ouverture en effet avec les autres, l'envie de partager. Et vraiment, le soutien, je le ressens dans ces deux cartes, hein, le soutien autour de vous. Alors, on va découvrir un peu plus, puisqu'on a parlé du soutien, ça me permet de rebondir. La deuxième ligne ici, c'est les conseils des guides. Hein. Quels sont les conseils qu'on veut vous donner maintenant, pour ce mois de mars? Ah, le 3 de l'action, ok, tout vous réussit, et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. D'accord. Voyez, là, je ressens encore cet élargissement. C'est ça, élargissement de vos horizons, ouverture, ouverture d'esprit, ouverture par rapport à vos croyances aussi. Donc, on est quand même sur. Comment dire? Je pense que vous avez déjà un pied dans la spiritualité où vous allez le passer, ce pied, ce cap. Mais au-delà de ça, ça peut aussi être dans le concret, d'accord? Dans le concret, je ne sais pas, votre perspective, elle s'élargit en fait, que ce soit professionnellement, sentimentalement, dans le relationnel, peu importe.
c'est un élargissement. Une extension, c'est ça. Extension, c'est le mot que j'entends. Peut-être que vous voulez, on vous conseille ici de commencer peut-être un projet, de vous lancer. On est sur l'action, hein, le 3 de l'action. Peut-être que voyager, peut-être cette phrase vous résonnera aussi. Voyager peut s'avérer nécessaire. On est quand même sur découvrir une nouvelle idée, découvrir une nouvelle voie pour vous. C'est le conseil, hein, c'est le conseil d'aller explorer autre chose. D'où le fait de voir les choses différemment. Vous avez aussi le 3, ah, on retrouve le 3 d'ailleurs, 3 de l'action et 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Voilà, c'est ça. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. On avait guérison et pardon ici, regardez. C'est exactement ça le conseil, vous voyez? Là, il y a besoin de laisser aller le passé. Il y a un deuil à faire quelque part. Je vous le dis comme je le ressens. Il y a un deuil à faire pour pouvoir quelque part, démarrer une nouvelle vie, en quelque sorte, pour vous. Hein, ça va être une sorte de métamorphose, ce mois de mars. Enfin, c'est un mois charnière important, en tout cas, dans ce processus de guérison pour vous. Vos anges gardiens sont là pour vous aider dans ce processus. Et ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel, ben vous voyez, c'est exactement ça. Le 12 ici, c'est très lié à la spiritualité, c'est le chiffre pour moi. Et je vous le disais, hein, vous voyez, c'était un éveil de la conscience, des prises de conscience importantes. Ça va vous permettre une évolution de l'âme, ou de votre moi supérieur, si vous voulez. Ok? Vous avez patience et planification, le 7 de deniers. Et une arcane majeure destinée. Waouh! Ok, donc vous voyez, hein, on retrouve la présence déjà du monde quelque part angélique et invisible avec cette carte ici, la destinée, c'est-à-dire qu'il y a des forces invisibles qui agissent, hein, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, quelque part, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Il y a des forces qui sont là, tout comme la lune, c'est une force. Je ne sais pas pourquoi je pense à la lune d'ailleurs, mais la lune, cet astre, je vais parler du soleil plutôt, voilà. On est d'accord que ça a une influence concrète, hein, sur la vie, sur les choses. Alors, j'ai aucune idée pourquoi je vous parle de ça. Attendez, je saute du coq à l'âne. La carte de la destinée, ok. Voilà, c'est-à-dire que les effets, on peut les ressentir, peu importe qu'on croit ou qu'on ne croit pas. D'accord? Ce qui est important, c'est que vous vous concentriez sur ce que vous ressentez vraiment, au niveau de vos émotions. Émotions, ici, on retrouve aussi. 3 de coupe. On passe du 5 d'émotion au 3 de coupe. Enfin, du 5 de coupe, pardon, au 3 de coupe. Donc, 5 de coupe, plutôt être dans... comment vous dire ça? Dans un certain regret, dans une perte, le sentiment d'avoir été trahi... ouais, focaliser sur les pertes du passé, j'entends, ici, et ici aussi d'ailleurs, c'est lié. Et on passe à la joie en fait, donc il y a un basculement, vous voyez, au niveau des énergies pour vous. Patience et planification. D'accord, donc là en fait, c'est pour vous donner espoir, c'est qu'on vous dit avec l'association des deux cartes que, avec celle-ci aussi, les anges, ils agissent pour vous, vos guides agissent pour vous concrètement, et que. Eh bien, là, c'est le moment, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, clairement, c'est le moment. Là, la patience, voilà, ça a été long. Peut-être que vous avez vécu ça comme une épreuve pour vous. Vous avez subi. J'ai le sentiment aussi que vous subissez beaucoup les choses et que ça a été difficile, ça a été long. Mais la patience, ça paye. Là, on vous dit, ayez confiance, ayez foi vraiment en l'avenir, en votre destin, c'est-à-dire ben justement aux choses que vous ne contrôlez pas et qu'on va vous mettre sur votre route. C'est ça le destin, en fait, hein. Parce qu'on a le libre arbitre, mais on peut mettre des choses sur votre route, et ça, c'est destiné. Pour faire simple, hein, vraiment. Par rapport à l'avenir, c'est ça. Donc, libre arbitre, vous réagissez comme vous voulez à ce qu'on vous présente. Mais là, on va vous présenter des choses pour vous aider, notamment, à évoluer. Ça va être une porte, ça va être une ouverture pour vous. C'était un passage aussi, c'est ce que j'entends, un passage spirituel que vous deviez passer. Une épreuve spirituelle. Ok? Donc, j'en parle comme ça, c'est vrai que, voilà, comme je dis, hein, moi je vous comprends, je sais que c'est difficile, je sais que peut-être je remue des choses en parlant, mais si justement je ne m'apitoie pas sur tout ça,
c'est parce que j'ai envie de vous mettre ce dynamisme. Le 3 d'action, on est dans le dynamisme et des solutions, une aide. Voilà, c'est vraiment pour ça que je vous le dis comme ça. Et puis de toute façon, je ne contrôle pas de la manière dont je le dis. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut, faut pas se méprendre sur mes intentions. Je ne minimise pas du tout ce que vous vivez. Au contraire, quelque part, on passe tous par ces étapes. Vous voyez, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 12. Bon, dans les arcanes majeures, il y en a 21, justement, ou 22, on pourrait dire, avec le mât. Ce sont les grandes étapes de la vie, donc on y est tous. Donc vous êtes à une étape de, voilà, une étape de votre vie, vous vivez une certaine expérience, mais tout le monde, à un moment donné ou l'autre, passe par ça. Voilà, ça fait partie des cycles naturels. Mais moi, j'ai l'impression, on vous dit juste, patience, ça arrive. Hein, le dénouement de tout ça, ça arrive. C'est cette notion d'ouverture, d'ouverture vers votre destin, vers ce vers quoi vous êtes appelé qui va s'opérer, en fait. Et enfin, bah, on va essayer de voir un petit peu plus concrètement. Ici, j'ai demandé, qu'est-ce qui arrive concrètement, vraiment, là, pour vous? Qu'est-ce qui va être important ce mois de mars? Alors, le 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Oh. Des changements s'imposent et vous aideront à vous mettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Grand message ici, très important. On retrouve encore une carte de la pensée, donc des épées. 4 de la pensée. Ça, c'était le 3 d'épée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause, d'accord, afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut vous être que bénéfique. Ok. Alors déjà, je comprends aussi là avec le message de cette carte, c'est que on vous invite à lâcher prise, à quelque part ne pas contrôler le pendu, c'est l'équivalent du pendu. Le pendu, regardez, je vais vous la montrer, j'ai envie de vous la montrer parce que j'ai toujours mon petit heure de Marseille à côté au cas où je n'utilise pas en consultation, sauf pour moi personnellement, la plupart du temps. Le pendu, c'est cette carte, c'est l'équivalent de celle-ci. D'accord, la première carte du mois. Vous voyez, là, on est dans une notion de lâcher prise. Laissez faire les choses. Laissez-vous, quelque part, porter par le divin, littéralement. Regardez comment ça résonne. Laissez-vous porter par le divin, par le haut. Hein. La chaîne, ici, elle est en or. Elle est liée au divin. Liée au divin. Alors, pareil, vous pouvez mettre les mots que vous voulez. Hein. C'est les mots qui me viennent, mais bon. Voilà. Je suis lié à aucune religion, aucune, vraiment. Voilà. ok. Donc, là, c'est ce que je vois avec le 4 de la pensée, en fait. C'est que vous allez, ben justement, vous allez réussir. Moi, pour moi, il y a un conflit qui se termine, un conflit intérieur qui se termine. Hein. Et donc, forcément, à l'extérieur aussi, ça se termine quelque part. Il y a une bataille qui est terminée, c'est ce que j'entends. On arrête de mettre de l'énergie, on arrête de combattre quelque chose, ou une situation, ou quelqu'un. C'est quand même intéressant, là je dois noter, hein, parce que là le message était très fort. Vous pensiez avoir pris la bonne action, or le chemin est semé d'embûches. En fait c'est simple. Si vous êtes sur un chemin où vraiment vous dites, vous voyez, vous êtes dans une dynamique, vous voulez un nouveau boulot, et vous entamez des marches, mais à chaque fois c'est un non, là c'est ça, ça c'est ça, c'est qu'il faut repenser les choses. Hein. Il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de vous, et que vous écoutiez vraiment, est-ce que c'est vraiment ça en fait que je veux? J'ai changé de boulot, ou alors j'étais amené à changer de boulot, je subis ça parce que, voilà, par exemple, j'ai été licencié. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux en fait me recaser, ou est-ce que c'est pas une occasion pour moi, vous voyez, un changement de perspective, et bien en fait d'aller vers quelque chose qui me plaît vraiment. Donc ça, c'est juste un exemple, mais vous voyez, ce genre de basculement de la pensée qui est nécessaire, et pour moi, c'est ça qu'on voit avec vous. On a le 3, on a le 4, on a le 5. Il y a une évolution. 3, 4, 5. Évolution, fin d'un conflit. Et on a quand même, voilà, une voie, on a la notion de nouvelle voie, de voyager ici, comme on le voyait avec le 3 de l'action. Et en effet, entourez-vous des personnes qui sont vraiment positives pour vous. Et c'est intéressant parce que vous savez, vous n'avez pas vu les deux autres tirages, mais il y a beaucoup de liens en fait. Il y a beaucoup de liens entre les trois tirages. C'est comme si ça pouvait être un tirage global, quoi. Ça s'adressait à vous, c'est tout pareil, je suis sûr.
Donc soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Il faut vraiment que vous vous écoutiez, que vous preniez un temps pour vous reposer aussi. Justement, laissez faire les choses un petit peu. Arrêtez, enfin voilà, lâchez prise. Voilà, laissez faire les choses et un repos dans la pensée. Donc repos dans la pensée, dans vos esprits, dans vos, voyez, ces choses qui vous tiraillent par rapport au passé notamment. Ah, oh, magnifique. On a le 1, l'éveil, l'arcane majeur 1. Et vous avez, waouh, victoire et succès, donc le 6 de bâton. C'est génial, eh bien, c'est parfaite conclusion. Regardez, regardez ça, la prise de conscience. Prise de conscience, connexion avec votre soi supérieur, avec le 1, avec l'unité, avec le cosmos. Vous gagnez en maturité, en sagesse, un truc de fou, quoi. Avec l'arcane numéro 12 en plus, c'est impressionnant, impressionnant. Et ça va être une véritable libération pour vous. Bah justement, par rapport à ces choses qui vous bloquent, les blocages, c'est une libération, un éveil. Il n'est pas si... Regardez, il n'est pas malheureux, en fait, si on regarde bien. Regardez. On ne sait pas s'il a les mains... On sent qu'il pourrait se libérer, parce que peut-être qu'il n'est pas lié derrière. Enfin, regardez sa position aussi, avec ses jambes. Hein, c'est quand même une position particulière. Il n'est pas en train de... Il n'est pas... Voilà, bref. Voilà, je vous laisse faire votre symbolique, mais parce que je pourrais parler pendant des heures sur les cartes. Mais elle est juste magnifique, quoi. Waouh, j'adore ces couleurs. Et là, on est sur le chakra coronal, sur l'ouverture à des connexions aussi spirituelles, peut-être pour certains. J'en ai pas. Enfin, si, j'en ai parlé, mais peut-être que c'est ça aussi les messages pour vous. Et victoire et succès, il y a un accomplissement, il y a une réussite. Là, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle qui arrive. Hein, regardez, une nouvelle. Une reconnaissance par rapport aux autres aussi, c'est possible. Voilà, on voit l'énergie que vous avez investie dans ce que vous faites, dans une relation, dans un travail, je ne sais quoi. Mais on est sur récolter les fruits d'un certain travail, pour moi. Voilà, et ça arrive, vous voyez, on est sur quelque chose qui est... C'est important, en fait. Pour moi, vous pouvez vraiment accueillir aussi une certaine abondance dans votre vie, vous ouvrir à totalement autre chose. Si vous étiez vraiment dans ces énergies bloquées, peut-être, simplement en changeant votre perception. Pour vous, c'est simplement cet éveil que vous allez avoir, a priori, qui va vous permettre... Waouh. Et franchement, je compte sur vous, hein, vous mettez un petit commentaire pour me dire c'était quoi cet éveil, si vous voulez le partager, bien sûr. Je vous oblige à rien, mais ça m'intéresse, parce que là, on est sur un véritable nouveau départ. Là. C'est quelque chose d'important, quoi. Vous ne pouvez pas le louper. Vous n'allez pas le louper. Ça vous est destiné. Voilà. Bon, c'était intense. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, liker, partager Facebook et autres pour toucher le plus grand nombre. Voilà, c'est mon but, c'est gratuit. Et si je peux aider, bah, moi, c'est cool. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.